Périphérie, Édouard Jean. Là, c'est les fleurs, ça monte partout les fleurs. Mais c'est moi qui le fais toute seule. Hein. Le plus dur, c'est de retourner la terre. Ah, ça. Cette année, je l'ai encore fait. Peut-être l'année prochaine, mon fils, il me le fera parce que c'est un peu dur. Ça, c'est les pommes de terre. Là, c'est les petits pois. Mais je crois que les pigeons, ils sont venus se régaler un petit peu. Là, c'est les betteraves. Là, j'ai mis des radis avec les carottes. Mais les carottes, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Là-bas, j'ai repiqué la salade. Et là, c'est des tomates. J'en ai au moins 40 pieds, là. Oh oui, au moins. Là, c'est l'haricot. Ça, c'est encore de la salade. Si vous en voulez une ou deux, je veux bien vous en donner. Ça, c'est des groseilles. Ça fait longtemps, vous, que vous avez ce jardin ? 95. Bon, ça m'évite d'acheter des légumes, moi. Bon, je ne mange pas beaucoup. Mais j'en donne à mes enfants, j'en ai 4. Mais des fois, il y a des gens qui veulent une salade, je leur donne une salade. Pas de problème. Hein. Voilà. Vous êtes d'Aubervilliers ? Oui, alors je prends l'autobus tous les jours. Tous les jours, vous venez ? Oui, tous les jours, presque tous les jours. Été comme hiver ? Ah, même l'hiver, je viens faire un petit tour. Je viens faire un petit tour quand même. Je regarde quand il pleut, les tonneaux, si ils tombent bien. Voilà, oui, ça passe le temps. Ah, oui. Mais je vais vous donner 2-3 salades, que ça vous fait plaisir. Ici, on est sur la commune d'Aubervilliers, dans le pourtour du fort d'Aubervilliers. Cette association existe depuis les années 30, au pied de la cité des Courtillères et à côté de la station de métro Fort d'Aubervilliers. C'est un jardin essentiellement potager, ouvrier. On ne souhaite pas avoir des jardins alignés, avec des baraques toutes de la même couleur, en ligne. On ne souhaite pas du tout l'uniformité. On pense qu'ils font partie de l'histoire. Vous voulez garder le côté un peu pagaille Oui, on veut garder cet aspect. On aime cette diversité, on aime la couleur de nos baraques, le fait que finalement c'est le poids de l'histoire aussi. Hein. Je veux dire, ça fait partie de l'histoire. Je suis Marcel Millet, président des jardins, à la retraite. Et professionnellement, j'étais électromécanicien. Alors là, c'est le bureau. Là, on a commencé par le bureau. Et c'est quand on fait une petite réunion festive, on l'a fait ici. Là, je vous présente à Monsieur Yannick Toutain. Les gens viennent de toute la France ici. Monsieur Yannick Toutain, il est breton. Il a toujours beaucoup travaillé dans la région parisienne. Mais la majorité des gens, ils habitent à Aubervilliers quand même. Beaucoup habitent Aubervilliers et sa région, en fait. Alors, il y a combien de parcelles dans ce jardin ? Alors, il y a 80 parcelles dans le jardin des Vertus. Qui font quelle taille en moyenne ? Qui font en moyenne 200 mètres carrés, alors plus ou moins. Donc, c'est gigantesque comme jardin ? Eh bien, ça fait déjà 3 hectares ici. C'est du jardin d'agrément ici ou c'est du jardin vivrier ? Alors, il y a les deux aspects. Il y a d'une part le jardin d'agrément, donc les gens sont intéressés pour venir passer un week-end, faire le barbecue, venir avec les petits-enfants. Et puis aussi, depuis quelques années, il y a de plus en plus des demandes vivrières, comme vous dites, des gens pour qui c'est important d'avoir un apport pour manger, tout simplement. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes qui arrivent en ce moment, de gens qui vous demandent une parcelle pour pouvoir cultiver de quoi se nourrir, quoi. Il y en a. Et on est sensible à ça. C'est-à-dire que les gens qui donnent ça comme raison, parce qu'on demande une lettre de motivation. Et alors les gens qui expriment ce désir, en général, on essaye de les satisfaire parce qu'on trouve que c'est finalement c'est important, c'est un aspect important de notre. C'est la vocation des jardins ouvriers. À l'origine, c'était ça, hein, les jardins ouvriers. Périphérie. Périphérie.fr. Il y a des salades, des radis. Ça coûte un peu moins cher quand même. Hein. Quand on regarde une salade ou n'importe quoi, hein, c'est vrai. Hein. Avec l'époque qu'on vit maintenant, ça vient infernal, intenable.
Pour l'argent, quoi, vous dites? Ben oui, l'argent pour vivre, ouais. Pour manger et tout. Hein. C'est surtout pour manger aussi. Hein. Vous regardez dans les jardins, mais les trois quarts des gens, oui, c'est pour manger. Hein. Comment vous avez fait pour obtenir un jardin ici, vous? Combien ça coûte? 40 euros. Il était à 40 euros. 40 euros par an? Par an. C'est raisonnable. C'est raisonnable quand même. Hein. Oui. On s'y retrouve même dans les légumes. Vous avez une toute petite retraite? Ah ben moi, ma retraite à moi fait que 800 et quelques euros par mois, oui. Et regardez là, les lilas ramassés, elles sont tout cassées là, regardez là. On a un mal récurrent ici, c'est... Il n'y a pas longtemps. Nous sommes visités par les petits... les gosses qui vendent des lilas dans le métro. À la limite, ils viendraient, ils couperaient les fleurs, ça ne nous dérangerait pas trop. Mais vous voyez, ils ne les coupent pas, ils cassent les branches, ils piétinent les jardins. Donc ça, c'est un aspect un petit peu... À la limite, je préférerais leur donner un sécateur et puis qu'ils coupent le... qui prennent rendez-vous avec nous et puis on les autoriserait à couper du lilas à la limite. Ça, j'aimerais mieux, quoi. J'aimerais mieux. Mais c'est vrai qu'on a, en ce moment, on vit une période où on est vraiment en recul. Enfin, c'est un euphémisme de le dire parce que d'où l'aspect, je dirais, l'aspect social des jardins. On voit que il y a des gens qui n'achètent pas de légumes en dehors de ceux du jardin. Donc pour eux, c'est vraiment Et là, Hervé. Là, c'est le cas. Là, de ce jardin, il est cultivé par un garçon qui a de gros problèmes de boulot. Bon, on peut dire que c'est un corps social, quoi. Mais au demeurant, il a surtout pas de chance, quoi. Périphérie.fr